Coucou les adeptes du paranormal. Ce soir, on vous retrouve à nouveau pour un trait d'horreur avec vos histoires personnelles à vous. Et à la fin, on va quand même inclure une petite histoire chacune pour quand même partager ce moment avec vous. Comme ça fait un moment qu'on n'a pas fait de trait d'horreur, on est allé chercher des histoires que vous nous avez écrites justement sous ces vidéos-là. Donc ça date un petit peu, peut-être que ça fait un moment que vous les attendez. Et donc vous en doutez bien, on a donné priorité aux ceux qui ont écrit justement en premier quoi. À l'avenir, pour les futurs traits d'horreur, on va créer donc une adresse email, ça serait quand même plus simple pour récolter toutes vos histoires. Et vous pourrez nous envoyer même des photos et des vidéos avec, ça sera vraiment génial. Ah oui. Alors on va s'en créer une, elle est actuellement bien sûr en barre d'infos, que ce soit la mienne ou celle d'Amandine. Donc on vous invite vraiment pour les prochains traits d'horreur à nous partager franchement tout ce que vous voulez en termes de photos, de vidéos et bien sûr d'histoires. Et on vous demandera bien sûr de prendre le temps de bien nous les écrire, de bien détailler, de bien placer le contexte, parce que aujourd'hui en fait Amandine a quand même pris la peine de réécrire certaines histoires pour vous les raconter au mieux tout simplement. Donc voilà, on va tout de suite démarrer avec la première histoire. C'est parti. Alors, je vais commencer avec une toute petite histoire, mais qui a quand même un peu son importance, je trouve. Oui. C'est une histoire de Sophie. Sophie Wood Spirit, si je prononce bien. C'était il y a 4 semaines, hein, comme je vous l'ai dit, voilà. C'est une personne qui a vécu plusieurs histoires quand même dans sa vie, mais qui a décidé de nous partager celle-ci, qui est assez courte, mais un peu intense, je trouve, quand même. Okay. Alors, il y a longtemps, chez un ami, un soir, j'ai déjà senti toquer derrière mon épaule alors que je faisais la vaisselle. Oh. Et pas une impression comme si on me tapotait fort avec l'index. Je croyais que c'était un de mes amis, mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Je suis partie de la cuisine en courant. Alors en gros, ça a l'air très court comme histoire et j'ai tenu quand même à la partager parce que, effectivement, oui, j'ai déjà vécu ce moment où je sentais derrière moi et même avant de sentir quelque chose qui me touche, je sentais déjà ce moment malaisant de présence. Tu sens que t'es pas seule, tu sens que c'est vraiment limite, tu sais, comme si t'étais en danger quand tu sens cette présence négative. Oui. Et c'est pour ça que j'ai pris cette histoire, parce que justement ça m'est déjà arrivé d'être de dos, de sentir quelque chose ou quelqu'un dans la pièce. J'ai tendance à dire quelque chose parce que pour moi c'était pas une entité humaine. D'accord, en fait. Okay, je comprends. Donc quelque chose de très négatif dans la pièce qui prenait vraiment toute la pièce. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment mauvais. Et ça m'est déjà arrivé, cette histoire c'est une histoire que j'ai connue pendant vraiment plusieurs années dans ma vie, ça m'est arrivé plein de fois. Et alors je replace, c'était pas un contexte justement où il s'était passé quelque chose pour que j'ai cette sensation. Ouais, c'était vraiment, tu sais, dans un moment tout à fait anodin, comme cette personne. C'est une fille qui était chez son amie, voilà, il y avait sûrement une soirée entre amis, hop, ils ont fait une bouffe, il y a eu la vaisselle, tu vois, c'est pas du tout un contexte effrayant. Et tout d'un coup, elle est là et elle sent qu'on la touche par derrière et il y avait personne. Alors c'est peut-être une très courte histoire, mais je la trouvais vachement intense parce que finalement, quand on entend les choses, ça peut paraître un peu moins effrayant, bien sûr, que quand on les vit. Ouais, et ça, à vivre, c'est vraiment... Mais mes mots, c'est quoi? Un drôle de sensation, hein. C'est vrai que c'est... Tu sais, quand tu es glacé, tout d'un coup, quand tu ne bouges, quand tu bouges plus, là, tu sais, cette sensation de frigidité comme ça, mais tu te sens, tu peux rien faire. Et bon, elle est partie en courant. Et justement, le fait de... Je trouve qu'il faut quand même que ce soit... Je pense soit une entité humaine qui a beaucoup d'énergie, soit une entité autre que humaine, hein, pour disposer d'autant de force pour arriver à venir te toucher comme bien sûr. Tu vois, ils sont pas tous capables de ressentir aussi. Ouais, qu'elle puisse le ressentir aussi. C'est vrai que là-dedans, dans cette histoire, moi, ce que je peux même rajouter, souvent j'en parle d'ailleurs, mais vous voyez les signes de médiumnité, c'est un petit peu ce genre de choses finalement. C'est des choses qu'on va ressentir. On va sentir une observation, on va sentir quelque chose qui nous touche, qui nous observe, une malaisance, ou des fois pas forcément être malaisant, mais juste le fait de sentir qu'il y a quelque chose autour de nous d'invisible, ça nous met dans une drôle de sensation. Oui. Mais quelque part, ça peut faire partie aussi d'une sorte de médiumnité. Comme, comme je dis souvent, tout le monde peut être médium, c'est vrai. Tous un peu médium quelque part. Oui. C'est une question de travail après, hein. Mais je pense que comme cette fille-là, en fait, quelque part, elle a dû peut-être ressentir sur le moment ce côté médiumnique, en fait, pour qu'elle ressente cette entité la toucher. Oui, voilà. Et comme dit, c'est vraiment aller jusqu'à un toucher, c'est quand même des choses qui sont assez rares. Bien sûr. Même nous, et c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous en parler, parce que même nous, vous le savez, pour ceux qui connaissent nos autres vidéos, on fait des enquêtes paranormales, on va dans les lieux abandonnés, dans des bunkers où il y a énormément de personnes qui ont dépéri sur place, des lieux qui ont beaucoup de vécu, on a beaucoup de ressentis, on le sent, mais il y a une différence entre le ressenti et l'entité qui a assez de force pour être capable de venir nous toucher, et qu'on sent
puissante, la force, tel un humain qui va poser sa main sur nous. Et ça nous arrive moins que de ressentir avec nos propres ressentis, carrément qu'on vienne nous toucher, c'est quelque chose dans l'année qui va moins nous arriver. C'est physique en plus, c'est quoi, ça. Donc ouais, c'est ça. C'est encore différent, ouais. Voilà, donc non, je trouvais que c'était assez impressionnant, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. C'est surtout dans un moment anodin. C'est ce que j'allais dire, c'est pas. T'es pas en enquête ou quoi, tu vois, t'es là. À un moment, c'est rare quand même. C'est ça, voilà. C'est impressionnant, effectivement. Donc merci encore Sophie pour ton partage et on va passer à la prochaine histoire. Allez. Donc cette histoire vient de Marie-Antoinette. Donc c'était l'année dernière quand une amie à elle donc l'a invitée à dormir chez elle du coup. Donc mon amie vivait à côté d'une ferme et m'a toujours dit qu'elle entendait de drôles de bruits, surtout la nuit. Elle se réveillait souvent vers les 3h du matin et la nuit où j'étais chez elle, il m'arriva la même chose. Donc vers les 3h du matin, je me réveille. Bizarre quand même comme heure, hein. Bah oui, en plus déjà c'est l'heure, c'est une heure un peu spécifique. Oui, mythique, on est d'accord. Hein, du coup, de 3h du matin, l'heure c'est beaucoup diable, ce qui se dit, hein. Ouais, c'est je me réveille beaucoup à 3h du matin, moi, quand je fais des cauchemars, des trucs comme pareil, ça. C'est vrai. C'est vrai fou, que c'est hein. Une heure qui me réveille. Pourquoi, je sais pas, mais ouais. Et c'est vrai que quand on n'est pas chez soi, on se sent encore plus mal à l'aise. Ouais, ça je suis d'accord. Et donc mon ressenti à ce moment-là me laissait envisager rien de bon. Autrement dit, j'avais peur. Qu'elle avait déjà des ressentis. Le fait qu'elle s'est levée, je pense aussi à 3h du matin. Essaye de se lever quand t'es pas chez toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et que t'as une sensation malaisante. Oui. Je pense que ça peut déjà. Après, est-ce qu'elle savait? Je suppose qu'elle a été invitée en sachant que des fois il se passait des choses, oui. En sachant qu'il y avait des réveils. Et là, le fait à mon avis, imagine-toi juste le contexte. Ouais. Il y a ton amie qui t'invite, elle te dit moi je me réveille souvent à 3h, je sens des choses pas bien. Et d'un coup, tu te réveilles sans réveiller de toi-même. Ouais. Et d'un coup, tu vois qu'il est 3h, tu dis merde. Ouais. Il se passe un truc là. Bah, c'est ça en fait. Tu pensais pas que ça allait t'arriver et comme par hasard ça arrive. Donc, quoi. Déjà à ce moment-là, si on se met dans la peau, dans la situation, mettez-vous bien dans la situation de la personne. C'est ça. Déjà à ce moment-là, t'es dans le noir, t'es pas chez toi, t'as peur de réveiller donc tu dois rester dans le silence. C'est ça. Et tu vis un moment de frayeur déjà. Ouais, c'est ça exactement. Donc j'ai essayé de réveiller mon amie, mais elle dormait profondément. Mais quelques secondes à peine, je l'entends me dire à ta place, je me recoucherai, cela ne te regarde pas. Oh, non. Sur le moment, j'ai vraiment cru à une blague. Et qu'elle essayait de me faire peur. Alors j'ai ri en lui disant « Allez, c'est bon, c'est pas drôle, arrête de me faire peur. » Mais aucune réaction de sa part. Oh. Et elle se retourne et continue de dormir profondément. Oh. Sachant, la connaissant, si elle avait été réveillée, elle n'aurait pas pu s'empêcher de rire. Ouais, on a tous une amitié de ça, oui. Quand on a fait une blague en général, on se met à rigoler. On en plus, je veux pas dire, mais il y a blague et blague. Ouais, tu peux faire la blague et rigoler, ouais. Mais tu vas pas faire la blague et réellement te recoucher, ouais, sans prévenir que c'était une blague. Ouais, c'est pas cool, en tout non. cas. Effectivement, mais donc, déjà, le contexte est assez... Ouais. Bref, vous l'avez compris, j'étais en panique. Mm-hmm. Je me suis posé plein de questions à ce moment-là. A-t-elle été possédée? Pourquoi m'avait-elle dit ça? Ouais. Pourquoi cet esprit ne voulait pas que je m'en mêle? Si t'avais un esprit. Est-ce qu'elle... J'aimerais bien qu'on lui demande, si tu regardes cette vidéo, est-ce que ton amie à ce moment-là avait les yeux ouverts quand elle t'a parlé? Est-ce qu'elle était tournée vers toi? Est-ce qu'elle était assise sur le lit pour se recoucher? J'aimerais plus de précisions sur cette situation. Ça pourrait être intéressant de savoir si est-ce qu'elle dormait en fait quand elle disait ça ou si elle s'était complètement réveillée. Ouais. Moi, ça me fait juste penser à une scène du film Conjuring 2. Ah. Tu sais, quand il y a deux sœurs qui dorment du coup dans la même chambre, il y en a une qui est levée comme ça et tout d'un coup, tu vois, enfin, c'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est et ça vrai. Me fait vraiment penser à ça. Et ça ressemble du coup, oui, à de la possession plus que... Bah, en tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Parce que pour elle, elle parle vraiment de possession. Est-ce qu'elle a été possédée? Est-ce que c'est un esprit qui avait parlé à sa place? Elle se pose des questions. Bah, c'est vrai que vu le contexte, on peut se dire que c'est l'entité qui s'est servie du corps de son ami pour lui délivrer un message. C'est possible. En tout cas, pour le coup, impossible de me rendormir. Je décide donc de descendre à la cuisine, me rafraîchir un peu avec un verre d'eau. Ah. Au moment où je commence à boire, je vois la porte de la cuisine qui se mit à se fermer tout doucement. J'ai bu mon verre en 2 secondes et je suis vite remontée la rejoindre. Et là, pareil, au moment où je rentre dans la chambre, la porte se mit à claquer derrière moi. Le lendemain matin, je me suis empressée donc de tout lui raconter. Et elle me jure de ne pas avoir eu le souvenir de m'avoir dit une telle chose. Okay. Le plus étrange à cette histoire, c'est quand je lui ai raconté l'histoire des portes qui ont claqué. C'est là qu'elle me racontait en fait que la porte de la cuisine, effectivement, tout était possible, qu'elle se ferme. Par contre, celle de sa chambre, c'était quasiment impossible. Parce qu'elle explique en fait que la porte, elle a un décalage. Et qu'en fait, elle ne s'est jamais claquée, cette porte-là. Oh. Et du coup, c'est arrivé au moment... où elle était réveillée alors que finalement, elle savait pas que c'était impossible, tu vois. Mm-hmm. Mais le fait qu'elle lui ait raconté et que son amie lui dit « Mais attends,
Oui, en fait, la porte de la cuisine, d'accord, je veux bien qu'elle se ferme, mais celle de ma chambre, elle se ferme pas. Elles ont fait des tests, en fait. Ouais, c'est bizarre. Et elles se sont rendues compte que c'était impossible qu'elle claque. Ouais, mais même la porte de la cuisine, dans tous les cas, c'est étrange. Oui, c'est étrange, fait. Ouais. Moi, je trouve que le contexte est vachement effrayant, en fait. Oui, la porte qui va venir se fermer tout doucement, dans tous les cas, ouais. C'est en pleine nuit, t'as pas les fenêtres ouvertes, c'est pas la journée, il n'y a pas de courant d'air. Ah, déjà, le truc, elle se lève en pleine nuit, à 3h du matin, déjà, alors que sa copine, elle avait déjà l'habitude de faire des trucs comme ça. Ouais. Ensuite, sa copine qui lui dit cette phrase, qui est quand même assez perturbante. Bah oui. Tu descends, en plus t'es pas chez toi, tu te sens mal à l'aise. J'aurais pas forcément osé descendre en pleine nuit comme ça. Ouais, j'avoue, je sais pas comment. En plus, elle a dû descendre tout doucement dans le noir, oui, sans faire de bruit, sans allumer les lumières. Ouais. Faut voir un peu le contexte de la personne qui a vécu ça. Moi, je trouve ça assez effrayant quand même. Hein, faut le faire. Ouais, clairement. Je pense que j'aurais pas osé. Mais par contre, si ça aurait été toi, moi, je t'aurais réveillé un coup de coude. Pour moi, le sommeil, c'est moins important que la peur du moment, tu vois. Ouais. Je t'aurais réveillé. Moi, j'aurais dit, c'est pas possible. Là, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qui se passe? Même pour toi, tu vois, je t'aurais réveillé de peur que tu sois prise de quelque chose, ouais, tu vois. Ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai que c'est assez flippant comme contexte. Ah oui. Et avant de terminer cette histoire, donc elle me raconte également que son amie lui raconta donc également un de ses rêves qu'elle avait fait, où elle voyait une femme pendue devant la porte de sa chambre et son corps se balançait contre la porte faisant claquer celle-ci. C'est horrible. C'est horrible quand même comme genre de rêve. C'est une horreur. En fait, à mon avis, son amie, elle doit avoir autant des capacités développées, parce que si vraiment, comme par hasard, elle arrivait d'une dame dans un endroit où il se passe des choses, donc potentiellement, qu'est-ce qu'on peut se dire, nous? Elle habite là, elle a perçu l'entité qui est bloquée là, c'est très possible. Et en même temps, il y a une faiblesse psychologique parce qu'elle est atteinte par cette personne-là. Peut-être qu'elles sont jeunes, je ne sais pas quel âge elles ont. Ouais, effectivement, je sais pas. Mais voilà, il y a une faiblesse qui fait qu'apparemment, la nuit, cette entité bloquée peut se servir d'elle pour laisser des messages à d'autres. Donc, ça veut dire que là, je suis en train de me remémorer l'histoire. Je me dis, ça se trouve, le fait que la porte a vraiment claqué sur le moment. Donc c'est peut-être quand même une dame qui a été pendue à cette porte-là qui faisait claquer cette porte. Ouais. C'est une horreur. C'est très possible. Ouais, c'est une horreur. Ouf, c'est pas très agréable. Non. c'est clair. Parce qu'en fait, elle me dit dès d'entrée de jeu en fait que finalement c'est quelque chose qui arrivait souvent. Il y a souvent eu des choses un peu spécifiques chez elle. Hein. C'était quoi son nom? Marie-Antoinette. Alors Marie, si tu regardes cette vidéo, si c'est bien Marie le prénom après, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous dire en commentaire si cette amie a fait ce rêve de façon récurrente? Au bout de combien de temps elle a fait ce rêve à partir du moment où elle a habité dans cet endroit? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment en fait? Est-ce que ça va mieux? Parce que c'est peut-être des gens qui vont pas... Parce que forcément, des fois, quand on a une entité à la maison, tous n'ont pas automatiquement le réflexe de dire « t'as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi ?» On regarde les films d'horreur et on voit juste quelque chose de négatif pour nous. Des fois, ça fait peur, mais ça peut être aussi une âme désespérée qui cherche de l'attention, qui cherche de l'aide. Donc, si elles ne l'ont pas forcément fait, à voir éventuellement, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui persistent au quotidien. C'est ça. Bah, surtout que là, apparemment, c'est une histoire qui date de l'année dernière, vu que c'est ce qui est arrivé chez son amie l'année dernière. Donc après... Je sais pas si entre-temps, t'es retournée chez elle. Ouais. Est-ce que ton ami t'a raconté d'autres histoires dans le même thème? Enfin, voilà. Ok. Bon. Eh ben, merci en tout cas pour ton partage. Ouais, on va passer à la suivante. Effectivement. Ouais, carrément. Alors, on va maintenant passer à l'histoire de Nyx. Il faut savoir que là, c'est un commentaire qu'Amandine et moi, on se partage. Elle a écrit autant sous ma vidéo que sous la sienne. Ouais. Alors, Nyx qui nous dit qu'elle a quand même vécu beaucoup d'histoires paranormales et apparemment pas que des sympas. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des histoires paranormales, sympas. Tout ce qui est paranormal ne sort pas directement tout droit d'un film d'horreur. C'est vu très négativement. Dès qu'il y a des choses qui bougent ou quoi, on voit ça comme un poltergeist démoniaque, alors que pas du tout. C'est bien c'est plus souvent des entités humaines ayant vécu là ou ayant une accroche par rapport au lieu. Ou même des personnes souvent aussi. Des personnes, voilà. Et en fait, souvent, c'est pas aussi négatif que ça. C'est juste que c'est effrayant en fait de voir des choses invisibles bouger en fait. C'est plus ça. C'est clair. Ce côté invisible, c'est la peur de l'inconnu en fait finalement. Et surtout ça nous fascine, hein. Vous et moi on serait pas là sinon. Exactement. J'ai toujours senti que l'appartement de mes parents était hanté. Et je suis persuadée que les esprits qu'il y avait là-bas sont du bas astral. Alors ça, c'est peut-être par rapport à des ressentis. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de ressentis développés pour nous dire ça. Nous avons vécu des années dans cet appartement. Il y a peu de temps, j'ai également appris qu'un marabout vivait ici avant nous et qu'il aurait pratiqué plusieurs exorcismes. Waouh. Chaud, hein.
Ah oui, donc c'est vraiment un lieu limite de culte en fait. C'était un lieu vraiment. Qui, à mon avis, a gardé des énergies, ouais. Bah justement, alors si c'est une personne qui pratiquait ça, il devait recevoir beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient hantées par des entités démoniaques. C'est ça, quoi. Donc, ouais. T'imagines toute l'année, tout ce qu'il a dû pratiquer dans ces lieux, en fait. Il doit y avoir une empreinte énergétique hyper néfaste, en fait, là-bas. C'est possible, ouais, effectivement. Je suppose, hein, après, je... Bah, en tout cas, effectivement... Normalement, il est censé faire des nettoyages après ça. Logiquement. Qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas. Tout dépend, en fait, de comment était la personne, ce marabout. Est-ce qu'il travaillait correctement ou est-ce que ça, on n'en sait rien. On sait pas qui était vraiment cette personne. Puis les pratiques n'ont pas toujours été les mêmes. Bon. Parce qu'il y a quand même une partie des personnes qui pensent qu'une fois que l'exorcisme est fait, une fois que tu as fait échapper et partir le mal, il est parti. Alors qu'il peut tout à fait rester tant que les yeux ne sont pas forcément nettoyés et tout. Enfin, c'est vrai. Voilà, bon, on ne sait pas. En tout cas, ce serait intéressant de savoir, Nyx, comment tu as appris finalement qu'un marabout vivait dans ton appartement. Est-ce que c'est un voisin? Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Est-ce que tu as plus d'informations sur ce sujet? Ou même le propriétaire des lieux. Hein. Oui, peut-être, effectivement, ouais. Ça pourrait être intéressant de le savoir. Mm-hmm. Alors, on entendait régulièrement des bruits dans le cellier, des toc-toc-toc, toujours par trois. Oh non. Il y avait des objets qui tombaient et des chuchotements. Effectivement, là je pense que clairement le lieu était hanté. Ouais. On pouvait sentir des odeurs inconnues qui se baladaient dans les pièces, telles que des odeurs de cochon grillé, du parfum qu'on ne reconnaissait pas, donc que eux ne mettaient pas, que eux ne portaient pas. Mais le pire, c'était l'odeur de la mort qu'on sentait souvent la nuit. Ah, c'est bizarre quand même. Mais c'est vrai que c'est bizarre, toute odeur inconnue, que ce soit du parfum, du cochon grillé, etc. Comme dit, dans tous les cas, bien sûr, c'est bizarre en fait. Ouais, et c'est quelque chose qui se dit beaucoup, effectivement, que des fois, il y a des entités qui véhiculent avec eux des empreintes énergétiques, qui véhiculent avec eux, par exemple, tu vas pouvoir reconnaître le parfum de tes parents, de ta mamie. Exemple, hein, c'est un petit exemple. Oui, tout à fait. C'est intriguant quand même, l'histoire du cochon, et le pire c'est la mort, ça s'apparente plus effectivement, c'est peut-être pour ça qu'elle parlait d'entité du bas astral. Bah je pense, ouais. Avec des frissons qui nous parcouraient tout le corps, et des ressentis plus qu'effrayants. Tu m'étonnes, oui, bien sûr. Certaines fois, les meubles bougeaient, et les lumières s'éteignaient ou se rallumaient toutes seules. C'est chaud quand même. Ouais. Quand ça commence à faire comme ça, effectivement, c'est pas très bon signe. Et c'est vraiment du « regardez-moi, je suis là », quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien. Des fois, ça peut être positif comme une recherche d'aide et ça peut être également très négatif comme une intimidation. Ouais. Il y avait beaucoup de choses inexplicables. Mais le pire, ça a été une fameuse nuit où un gros bruit a réveillé tout le monde. Okay. C'était un gros boom dans l'appartement. Ça s'apparentait à quoi? Ouais. Et est-ce que si tu nous regardes, suite à ce boom, est-ce que vous avez inspecté les lieux? Quelque chose était tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le dire après. Ah. Le lendemain matin, on aperçut un trou dans le fauteuil énorme. C'est incompréhensible, ça. Ah ouais. Donc en gros, le bruit que j'ai entendu, c'était le trou, alors. C'est dingue, mais alors c'était un gros... bruit de... Est-ce que c'était une grosse déchirure? Est-ce qu'il y avait un boom qui a provoqué la déchirure? Non, comme le trou, comment c'est possible? Pourquoi c'est... ce fauteuil en particulier? Ouais, pareil, ça. Est-ce que c'était le fauteuil de quelqu'un de la famille qui n'était pas accepté par cette présence? Enfin... Soit ça, ou soit c'est un fauteuil qu'ils ont acheté, je sais pas moi, dans une brocante ou un truc comme ça. Qui avait également, ok, d'accord, un vécu. Ça pourrait, hein, effectivement. Personne n'a jamais su dire comment ce trou a été fait. Voilà. Il n'y a aucun fait rationnel, on est d'accord. Bah ouais, c'est pas normal, non. Non, ça n'existe pas, non, bien sûr. Mais moi, je ressentais une présence, surtout la nuit. J'entendais des fois mon prénom qu'on chuchotait dans mon oreille. Non. Oh non, c'est beaucoup. Et le pire, des respirations comme si la personne s'allongeait derrière moi. Et là, un froid glacial envahissait mon dos. Ah oui, effectivement, elle était vraiment approchée de cette entité qui avait besoin, qui voulait s'approcher d'elle. Je pense que ça l'a pompée même, énergétiquement. Ouais. Mm-hmm. Ah oui, ouais, clairement. Et souvent, on a tendance à dire qu'il passe par l'intimidation, l'infestation, justement, pour pomper chez leur victime, on va dire. Exactement. Quoi. J'en pleurais toutes les nuits. Tu m'étonnes. Ouais. Bah oui. À cette époque, je ne pouvais plus dormir. Je prenais des cachets pour trouver le sommeil. Oh, ça veut dire qu'il l'a vraiment mise assez bas, quoi. Il a réussi.
c'est aller loin. Et je pense que l'entité qui pompait sur elle, justement, plus ça allait mal pour elle, mieux ça allait pour lui. Oui. Et impossible de m'endormir dans le silence. Je laissais la télé allumée avec des petites lumières pour éviter de me retrouver dans le noir. Je comprends tout à fait. Ça ne serait pas bien non plus. Ça me rassurait et m'aidait à mieux trouver le sommeil. Je pense que j'aurais fait tout à fait pareil, justement, quand tu es dans un tel état de mal-être au quotidien, surtout quand ça touche à chez toi. Là, tu es obligé d'y penser du matin au soir, dès que tu es seule. Et finalement, au bout d'un moment, quand tu as une emprise pareille, même la journée, tu n'es pas bien quand tu es seule. Quand tu arrives à un point où tu es mal chez toi, où tu n'as plus de repos chez toi, c'est que ça va très loin, que l'infestation a été vraiment forte. Ah bah franchement, quand j'ai lu cette histoire, j'en ai eu des frissons dans le tout corps. Je me suis dit, waouh. J'en ai carrément fait une dépression qui a duré plusieurs mois. Voilà. Bien sûr, c'est normal. Par-dessus, les problèmes continuaient de plus belle. J'avais appris qu'une maladie attaquait mes muscles. J'étais faible et épuisée. Plus aucune force pour me battre. J'étais désemparée, démunie par cette situation terrifiante. Oh non. Et sincèrement, je suis encore traumatisée. Les années ont passé et j'ai réussi à m'en sortir. Moi, j'aimerais bien savoir comment. Effectivement. Est-ce que tu nous parles également de ta maladie? Est-ce que tout va mieux dans ton corps? Est-ce que psychologiquement, tu t'es sortie du coup de la dépression? N'hésite pas à nous écrire en commentaire, ça nous fera plaisir de savoir où tu en es. C'est clair. Ma mère s'est enfin décidée à déménager il y a à peu près 6 mois de cela. Après 29 ans dans cet appartement. Ah ouais, quand même. 29 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, je vis dans mon chez-moi avec ma compagne. Et quelques faits ont commencé à ressurgir. Mais cette fois-ci, je n'ai plus peur. Et ne ressens pas quelque chose de négatif. Malgré certains objets qui se sont mis à bouger. Des portes qui s'ouvrent et se ferment. En espérant que tout ça en reste là. Alors, intéressant. C'est intéressant, effectivement. Maintenant, le fait que y a un nouveau départ, elle habite avec quelqu'un d'autre qui n'a auparavant pas été touché par cette entité. C'est ça. Un nouveau lieu, forcément, c'est forcément rafraîchissant pour l'esprit, c'est important pour soi-même. C'est ça. Si maintenant tu commences à avoir des choses qui arrivent de nouveau chez toi, mais que tout de même, il faut retenir le fait qu'elle ne sent pas que c'est négatif. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est une personne qui a tout simplement des capacités de ressenti développées et qui, là, à ce moment-là, sent une autre entité qui est là, qui est peut-être juste là pour dire bonjour, je suis là, ou voilà, qui n'est pas forcément dans l'optique d'infester ces deux personnes maintenant ensemble? Ou alors, deuxième option tout de même, ne la négligeons pas, est-ce que c'est l'entité qui a été là pendant quasiment toute sa vie qui arrive petit à petit à essayer de se faire une place? C'est possible. Si c'est le cas, il faut vraiment, vraiment pas lui laisser reprendre sa place dans ta vie. Clairement. Là, il y a eu quelque chose qui est un petit peu la balle est dans ton camp, c'est-à-dire que tu es partie du lieu où il y avait une empreinte énergétique importante pour cette entité. Tu es partie de là. Mentalement, je pense que tu vas beaucoup mieux. Alors, c'est le moment d'être forte et de plus laisser une quelconque entité, que ce soit celle-là ou une autre, tant qu'elle vient du bas astral, venir avoir une emprise sur ta personne. Ouais, c'est ça. Elles ont tendance à venir aussi chez les personnes qui ont été déjà mentalement au plus mal, en espérant aussi que c'est quelque chose qui va revenir dans la vie des personnes qui ont été déjà en dépression. Ils ont tendance à s'attaquer, comme on dit, aux personnes mentalement plus faibles que d'autres, dans un moment faible. Et c'est à toi, justement, là, de ne pas retourner dans ce moment-là. J'espère vraiment que c'est pas revenu. Moi, j'ai beaucoup ressenti, en tout cas, ce côté hypersensible chez cette personne-là, parce qu'effectivement, le fait qu'elle ressente encore quelque chose dans cette nouvelle vie, comme tu dis, tu vois, finalement, ça m'a fait penser tout à ça, ce côté hypersensible que tu as, finalement. Et peut-être que même ce côté hypersensible, peut-être le mettre en pratique. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si ça revient dans ta vie, c'est que ça doit venir, c'est que c'est pas un hasard. Ouais. Moi, je vois pas les choses comme ça. Enfin, pour moi, tout est tracé d'une certaine façon. Et là, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose que tu dois travailler dans ce côté spirituel. Et en profiter pour mettre en place peut-être tes protections, tes purifications. Crée-toi des armes, crée-toi des boucliers. Et ça te permettra aussi psychologiquement d'être plus forte et envers tes propres convictions, envers ta propre force énergétique. Il faut vraiment que tu crois en tes capacités. Il faut qu'on n'oublie pas une chose, et ça c'est toi qui me l'as appris. On est plus forte. En tant qu'être humain, on est plus fort
que, ouais, que beaucoup, beaucoup d'entités, même du bas astral. Bien sûr, ouais, on a un corps, c'est ça qu'ils veulent en fait. Leur but à eux, c'est de nous faire du mal, ils sont jaloux de nous parce que nous, on a une vie. Et que la plupart des entités n'ont jamais été humains. Et donc forcément, ils sont jaloux parce qu'eux n'ont pas cette chance de vivre, de sourire, de rencontrer des gens, de tout ce qu'on fait finalement, ils sont jaloux. C'est de la jalousie pure. Et voilà, donc du coup, c'est ça qu'il faut jouer, il faut montrer que bah, nous, on est plus fort. On a un corps matériel, on a une force, on a une énergie, et en plus de ça, on a une âme. Donc en fait, on est forcément plus fort qu'eux. C'est ça. Et on a tendance à ne pas le savoir parce que déjà, on vit dans une vie où ce n'est pas des choses qu'on nous apprend, ni à l'école, ni d'ailleurs, ce n'est pas des choses qui sont très répandues, que ce soit avec nos proches dans la vie, on ne rencontre pas beaucoup de gens qui nous apprennent ça. On vit dans un monde où on ne voit que des films d'horreur, où l'humain est faible par rapport à l'entité, dès qu'il y a une apparition, c'est quelque chose de négatif, dès qu'il y a des contacts, alors que non. Ouais, c'est ça. Et surtout, là, ce qu'Amandine, elle vous dit, ça vient de beaucoup, beaucoup de recueils de médiums qui ont cherché des questions sur l'au-delà, sur les raisons du pourquoi, du comment, à travers toute leur vie pendant des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient d'expérience personnelle, mais de personnes qui ne se connaissent pas à travers le monde. C'est beaucoup quelque chose qui revient. Donc c'est important. Une fois qu'on l'assimile, je trouve que c'est bien pour nous d'assimiler ça. Dans tous les cas, ça fait un effet un peu psychologique quelque part. Ouais. C'est comme quand ça aide à se sentir plus voilà, fort. On se dit, ouais, demain je vais réussir cet examen. C'est va réussir l'examen. Alors que si on se dit d'avance, bah non, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, voilà, c'est forcément on y arrive moins, c'est psychologique. Et dans ce cas-là, c'est un peu pareil finalement. Ouais, donc ça va vachement aider en fait, une fois qu'on sait ça. Voilà. Alors, on va vous raconter l'histoire d'une amie qu'on a en commun, qui était venue ici il n'y a pas longtemps. En fait, à la base, c'était une abonnée. Oui. Qu'on a fini par rencontrer et qui est devenue une amie. Voilà. Donc, il y avait deux histoires intéressantes quand même à raconter. Ouais. Moi, celle que je trouvais assez effrayante, ouais, c'était l'histoire de l'appel. Ah oui. Par Skype ou Messenger, je sais bizarre, plus. Ça, hein. Voilà, en fait, un soir, Jules était chez elle en visio avec une amie. Ouais. Ils parlaient depuis un moment, puis à un moment, elle décide d'aller se lever pour aller chercher quelque chose à la cuisine, je crois. Donc cette amie est restée en ligne, en cam, et voyait donc l'entièreté de la chambre. C'est ça. Et pendant que Jules était donc à la cuisine, il me semble, son amie a pu voir que la poignée de la porte bouger comme ça de haut en bas, comme si quelqu'un voulait ouvrir ou au moins faire exprès potentiellement de montrer tu me vois, je suis là. Ça c'est assez effrayant. Donc du coup Jules est revenu et sa copine lui a dit il y a un truc qui a bougé dans ta chambre, ça n'a pas arrêté de bouger. Et à ce qu'elle nous a dit, Jules c'est encore une fille qu'elle fréquente, c'est quelqu'un qu'elle parle, c'est quelqu'un de confiance. Ouais, voilà. Et encore une fois, quand tu fais une blague à quelqu'un, tu ne la fais pas pendant des années. Ça c'est une histoire que je vous raconte qui s'est passée il y a des années. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, concrètement, très clairement, si c'était une blague, ben, ça aurait été dit. Et moi, je trouve que cette histoire, elle est intéressante parce que, comme par hasard, ça montrait des signes à son amie. Genre, regarde-moi, je suis là. Ah ouais. Est-ce que c'était une entité qui a fait exprès ça pour justement donner le signal à son ami? Et moi, ce qui m'est venu à l'oreille, en tête comme ça, c'est, tu sais, il y a des entités donc en termes d'infestation qui vont vouloir un petit peu détruire ta vie, un petit peu te faire du mal, pomper sur toi. Ouais, c'est vrai. Et le fait, moi je trouve ça très intelligent, le fait de montrer ta présence en caméra à une amie va inciter cette personne à ne plus venir aussi. Ouais. Et on a tendance justement, quand on veut faire du mal à quelqu'un, à isoler cette personne. Tout à fait. Est-ce que l'entité qui était présente, qui était potentiellement néfaste, n'a pas essayé d'isoler? Bien Jules, sûr, justement. Bah, dans tu tous vois. Les cas, elle l'a montré. Cette entité a montré à cette amie, regarde ce que je sais faire. Dis-le à ta copine. Ça, c'est. Je trouve ça assez vraiment effrayant quand même. Ça a voulu être dit. Parce que si vraiment ça voulait pas se montrer, dans ces cas-là, ça l'aurait pas montré directement à elle, mais ça l'aurait montré à Jules. Alors, il y a. Tu vois. Je pense qu'il y a une variante à cette histoire. Mm-hmm. Potentiellement, je me suis dit, est-ce que Jules, qui malgré. Qui est une personne très intéressée par le paranormal, qui n'est pas du tout fermée d'esprit, hein, oulala, pas du tout. Mm-hmm. Mais tout de même, est-ce que la variante ne serait pas aussi possible que ce soit une entité qui ne soit pas négative, mais qui n'arrivait pas à obtenir de l'attention de la part de Jules, comme elle le souhaitait obtenir un contact, une aide, et qui s'est dit, je vais l'obtenir de son amie pour qu'elle lui dise, parce que Jules ne voit pas mes messages. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Bah, après, tout dépend effectivement des ressentis de Jules sur le moment. Ça, c'est plus après nous qui le ressentons. Est-ce qu'on ressent quelque chose de mauvais? Mais comme tu as dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'avec le côté médiatisé, en fait, dès qu'il y a une entité
qui fait bouger quelque chose, en fait, avec le côté médiatisé, on voit ça mal. Tout en mal, en fait. Et attention, donc, on peut avoir tendance à se créer des ressentis. Des fois, on dit oui, mais moi, j'ai ressenti que c'était mal, alors qu'en fait, c'était pas des ressentis en termes de capacité, c'était notre peur, en fait, qui tout simplement nous donnait des ressentis normaux. Dessus, en fait. Voilà. Et, et des fois, quand on a peur, on a tendance à dire moi, je sens que c'est ça, alors que non, si t'as peur d'un truc, faut dépasser d'abord la peur. Faut bien comprendre que le vrai mal, la vraie entité du bas astral, c'est un peu comme l'histoire de Nyx finalement, ça va venir te toucher physiquement, mais psychologiquement aussi. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé avec sa dépression, etc. Hein. Souvent, les mauvais esprits vont te toucher là où t'es le plus faible. Ouais. Souvent, t'as un souci de dépression de base, il va revenir sur toi pour te redonner cette dépression. C'est ça, tu vois, totalement. Des penchants alcooliques, imaginons, l'entité peut venir voir la personne, ah tiens, je vais te refaire boire, en fait. C'est peu le but du jeu, en fait, de trouver le point faible de la personne. Et c'est vraiment un jeu, oui, tu l'as bien dit. Ouais, c'est ça. Mais alors pour nous c'est compliqué de savoir quelle variante de l'histoire ça a été pour Jules, parce qu'en fait c'est une personne qui pendant des années a eu des petits phénomènes par-ci par-là, assez éloignés, mais ça n'a jamais été très grave. C'est ça. Donc c'est vachement dur pour nous de déterminer ça. Oui, en fait, on peut pas avoir assez de recul par rapport à l'histoire, effectivement. Maintenant on a écouté son histoire, c'est vrai que quand elle nous l'a raconté, on sentait quand même qu'il y avait une peur dans sa voix, qui faisait trembler un petit peu, donc on sentait qu'elle était pas à l'aise avec ça, mais voilà. Et il y a justement une autre histoire qu'elle nous avait racontée. C'était une journée où elle était seule, encore une fois, dans la même maison. Elle a grandi dans cette maison-là, il y a encore. Et c'était une journée donc, où il n'y avait pas ses parents. Et il y avait des petites choses quand dans l'appartement qui se sont mis à bouger selon là où elle se déplaçait. Il me semblait qu'elle était allée à la cuisine et il y a une machine, un appareil électroménager qui s'est allumé tout seul. Ouais. Je ne sais plus si c'était la cafetière ou le micro-ondes, je n'aurais plus dire. La cafetière, ouais. La cafetière. Le bouton qui s'était allumé. Voilà. Il y avait dans le salon un foulard qui a été jeté au milieu du salon. Ça, c'est très bizarre aussi. Oui. Et le pire dans cette journée-là, parmi les petites choses qui bougeaient, c'était que quand elle était posée au salon, elle a entendu un immense boom qui venait. Alors, ça venait de quelle pièce? Je crois que c'était de la cuisine. Quand même de la cuisine aussi. Ouais. Et en fait, alors là, c'est vraiment le truc hyper intriguant parce qu'apparemment, ça venait d'une pièce de décoration en bois qui était, mais complètement, et ça elle a énormément insisté quand elle l'a dit, mais fixé, le truc n'a jamais bougé. Et le truc était bien calé, ne bougeait pas, ne tremblait pas, c'est comme si ça avait été arraché pour le jeter par terre. Et comme par hasard, quand elle était seule, donc ça me fait vraiment penser à une entité qui est là pour de l'intimidation, tu vois, pour arriver à lui faire peur, pour arriver à l'accrocher, tu vois. C'est vrai. En tout cas, c'est quelque chose qui voulait se montrer à elle, hein, ça c'est sûr. Oui, et vraiment le fait de balancer quelque chose ne me fait pas penser à une entité qui a auparavant été humaine. Ouais, ça dépend. C'est vrai que je ne peux pas vous dire ça comme ça. L'intimidation comme ça, pour moi, c'est très intimidant, ouais. C'est ça. Mmh. Normalement, quand tu veux laisser un message, que tu as besoin d'aide, tu as tendance à laisser des choses plus douces. Alors, ça dépend. Maintenant, depuis mes expériences avec ce que j'ai vécu, effectivement, j'ai tendance à dire ça d'habitude. Mais c'est vrai que là, avec les anciens phénomènes que j'ai eus, là, avec le David, en fait, finalement, j'ai appris que c'était finalement une entité humaine et qui n'arrivait pas à se faire entendre avec moi. Donc, du coup, elle a essayé de faire bouger des affaires. Et c'est vrai que moi, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi c'est aussi violent? Mais en fait, ça a été violent parce que je n'ai pas su l'entendre différemment. Ouais, effectivement, ça c'est vrai. C'est du cas. Et également, tu m'avais même dit, il y avait un livre qui était très intéressant où tu m'avais dit que les entités en fait ne contrôlent pas certaines choses quand ils essayent de faire des contacts. C'est ça. Et que eux-mêmes ne se rendent pas compte à quel point ça peut être brusque et effrayant. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était un recueil de différents médiums qui avaient recueilli cette information. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là c'était vraiment ces deux petites histoires qu'on a sélectionnées pour vous et j'espère qu'elle en vivra pas d'autres d'ici là. Ouais, j'espère pour elle aussi. En tout cas, merci à tous de votre témoignage et comme dit, n'hésitez pas à nous raconter d'autres histoires. Oui. Parce que nous, ça nous fait plaisir de raconter des histoires comme ça et puis aussi d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on ressent quelque chose de mauvais dans ce que vous racontez ou pas? Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que finalement on n'est pas seul à vivre toutes ces choses-là. Ouais. Et on est beaucoup à y croire. Oui, énormément. Et maintenant, c'est le moment où on va passer à nos petites histoires à nous. Allez. Tu veux que je commence? Allez. Bon, alors moi je vais vous raconter une histoire qui fait partie des histoires les plus importantes aussi pour moi. Comme par exemple Amandine et moi, la dernière fois, on avait fait un contact avec Yves. Pour moi, c'était le contact le plus important de ma vie parce que c'était avec un meilleur ami disparu. Et je vais vous raconter une histoire qui concernait également quelqu'un que je connaissais bien.
Il s'agit en fait d'une amie que ma sœur et moi on avait en commun quand on était vraiment assez petites. Bon, Pauline et moi, Pauline a 50 plus que moi, donc elle c'était plus deux copines préadolescentes, moi j'étais plus jeune. Pour vous replacer le contexte, c'était une amie qui a été décédée pendant un événement très connu à Strasbourg. À un moment, il y avait une immense tempête qui a été mal annoncée par la météo. On n'était pas du tout en vigilance orange. Et donc, cette fille-là est tout de même partie à un concert au parc du Pourtalès. C'est un événement qui est vraiment qui a fait un choc hein, à ce moment-là. C'était dans les années, c'était en 99, je crois. C'était la tempête de 99. Mmh. Et donc, cette amie Solène a été décédée ce soir-là, écrasée sous un arbre. Suite à ça, bon, moi j'étais petite à ce moment-là, forcément on n'avait pas faire de contact avec Solène, c'est clair. Les années ont passé et quand j'étais adolescente, plus tard, parce que je suis souvent depuis allée au cimetière, hein, et une fois quand j'allais au cimetière, j'ai fait une vidéo de la tombe pour ma sœur qui venait pas à ce moment-là souvent à Strasbourg, et la tombe a été renouvelée, la photo avait été changée et tout. Donc du coup, moi, je fais une vidéo avec ma sœur pour dire voilà, Pauline, là, c'est la tombe de Solène, la photo a changé, les fleurs, tout a été changé, la décoration sur la tombe. Et à ce moment-là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais tout d'un coup, je me suis mise à dire bon, bah voilà, Solène, je suis là, Pauline pense aussi fort à toi, si tu as un mot à lui dire, on t'écoute. Alors que dans ma vie, mais je pratiquais pas de contact. C'est non, ça le pire en fait. Je l'ai dit instinctivement, j'en avais envie, mais je n'attendais pas une réponse spéciale dans tous les cas en fait. Ouais. Alors déjà dans ce contexte-là, c'est même pas une séance de contact pratiquée en faisant bien les choses. Tu vois ce que je veux dire, là, c'était vraiment un petit coucou. Ouais, bien sûr. J'étais déjà allée la voir plein de fois au cimetière. C'est la première fois que je filmais pour dire regarde, Pauline, il y a eu ça de différent. Ouais. Solène, t'as quelque chose à nous dire. Je m'attendais pas. À une réponse. En rentrant à la maison, je regarde la vidéo. Et là, c'est un choc qui m'a vraiment marqué pendant des années parce que j'ai jamais eu de réponse. Moi, ça m'a choqué aussi. J'ai eu une réponse d'une voix qui ne s'apparente pas du tout à celle de Solène, qui s'apparente même pas à nos PVE quand on fait de la TCI. C'était une voix qui, pour moi, était vraiment, mais tellement mauvaise. Mmh. Et je me suis très dit... grave, hein. Ouais. Ouais, je m'en souviens un peu. Et la phrase, je vais vous faire l'imitation. Ouais. Ça m'a fait ouais, les âmes baissent. Ouais. Comme ça. En fait, on n'a jamais trouvé le sens de ce mot-là. Alors, sait pas dans quelle langue ça pourrait être. Pour vous dire, j'ai fait des recherches sur l'alphabet. Donc, pour mettre les choses au clair, j'ai écrit ouais, les âmes baissent phonétiquement comme je l'entendais sur une feuille, de différentes façons. Ensuite, j'ai commencé à chercher dans les alphabets latins. Ouais. J'ai essayé de différentes langues en cherchant les alphabets. Oui. J'avais même acheté un micro à l'époque parce qu'on n'avait pas tous ces trucs là avec Google Voice, etc. Hein. C'est vrai. Bon. Donc moi j'ai dû acheter un micro à l'époque pour connecter à mon vieux PC et j'avais dit cette phrase dans le micro pour essayer d'entendre ce que Google en pensait, quelle était la traduction, etc. Ouais. J'ai jamais trouvé aucun mot concret. J'ai même contacté la recherche de l'organisme d'investigation paranormale d'Alsace, qui malheureusement ne m'ont jamais répondu. Je n'ai plus la vidéo. Si j'arrive à me reconnecter à mon ancien Facebook, chose que je n'arrive pas, je les harcèle. j'harcèle Facebook pour retrouver mon ancien compte. Je pourrais retrouver la vidéo parce que j'ai ma discussion avec Paranormal Investigation Alsace. Ah ouais. Ah ouais. Vu que en fait, moi, j'ai perdu des 10-15 ans de ma vie en termes de tout. En fait, sur un disque dur, j'ai tout perdu. En termes de photos, vidéos, j'ai tout perdu. Et également, si trouver cette vidéo, vous en doutez bien, vu que c'était une vidéo d'époque. Alors, je pourrais retrouver la vidéo si un jour j'arrive à me trouver, à me reconnecter à cet ancien compte Facebook. Bah oui. J'ai jamais réussi. Ah, c'est dommage. Et j'ai demandé à mon entourage, on n'a jamais réussi à m'aider. Mais si un jour je parviens à récupérer ce compte Facebook, je ferai une vidéo YouTube spéciale pour ça parce que c'est un phénomène tellement important. Ouais. C'est un PVE qui a pas été demandé, qui n'a pas eu besoin de fréquence comme on en donne en TCI. Oui, après, il y avait du vent, donc le vent c'est également une fréquence. Ouais, c'est ce que Et je pense, beaucoup de vent ce jour-là. Ouais. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'arrière, il y avait une tombe où le nom de la famille était Heisenberg. Ouais, ça ressemble mais, beaucoup. Mais ce n'est pas Wallis Ambess. Non, ça ressemblait. Mais c'est le seul truc concret que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ouais.
Voilà. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai entendu cette voix, je me souviens du jour où je suis venue, quand tu me l'as fait écouter. Oui. Oh, mais vraiment des frissons. Et même là, je t'en parle, j'ai des frissons de partout. Hein. Ouais, ça m'avait choqué. Je me suis dit, c'est quoi? À ce moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y avait quelqu'un avec toi qui voulait te faire peur. Hein. J'avais du mal à te croire tellement que c'était incroyable. C'est normal. On vit dans un monde où pour nous, déjà. Mais à l'époque, je travaillais pas encore avec les défunts. Bah ouais, c'est ça. Et, du coup, on pratiquait pas de contact, en fait. C'était pas une chose normale pour nous, c'était pas notre quotidien. C'était même pas attendu de base. Ah ouais, moi je m'en souviens que j'étais abasourdie par cette entente. Ouais. Je rêverais d'avoir cette vidéo. Ah, si seulement. Voilà. Donc pour moi, c'est une histoire très marquante et voilà. Oui. Je m'étonne. Voilà. Effectivement. Ok, bon. On va passer à la mienne. Oui. Donc en gros, c'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Quand finalement, je crois que c'était début d'année. Ouais. Et là, ça, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je ne suis pas clairvoyante. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Hein. Oui. Mais c'est vrai que je ne vois pas les entités. Ça m'arrive d'entendre des choses, surtout au réveil, des choses comme ça, mais jamais de les voir tels qu'ils sont devant moi. Voilà. J'ai jamais réussi à avoir une entité, mis à part mon grand-père quand j'étais plus jeune. Voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis levée tôt, vers 5h du matin. C'était un matin, ça c'est sûr. Mais il faisait encore nuit. Donc du coup, je me lève et tout tranquille, je vais aux toilettes. Et là, d'un coup, alors franchement, c'était vraiment une apparition qui m'a fait quand même assez flipper. Parce que comme dit, c'est la première fois que je vois vraiment quelque chose devant mes yeux. Je me suis dit, je deviens folle, c'est pas possible quoi. Ouais. Et en fait, si vous voulez, j'ai vu l'apparition d'une femme voilée dans mon appartement. Une femme assez âgée, une dame âgée avec un voile. Donc pour moi, c'était clairement une musulmane. Et je vous assure que sur le moment, dès que j'ai vu cette apparition qui a duré quelques secondes, j'ai fait un bond en arrière en fait. Hein, j'ai tellement eu peur. C'était vraiment comme ça quoi, tu vois. J'ai eu très très peur. Effectivement, je m'y attendais pas en fait. Et donc j'ai eu peur, mon copain qui dormait à côté, ça l'a réveillé un peu, il a dit qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, soit je délire ou soit je suis encore endormie. Pour moi j'étais un peu endormie encore. Et je lui explique le truc, je lui dis j'ai l'impression d'avoir vu une femme voilée dans notre appartement. Donc j'ai carrément allumé les lumières, hein, j'ai regardé pour voir si c'est moi qui dormais, je t'ai réveillée ou pas. Enfin bref, ça m'avait tellement traumatisée sur le moment que j'ai cherché des explications. Ouais. Et donc pas d'explication forcément, donc je retourne au lit, etc. Je crois que c'était quelques jours après parce que je t'en avais parlé. Oui. Et je trouvais ça tellement curieux en fait, cette histoire. J'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette apparition de cette femme. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi est-ce que je la vois? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'elle veut me laisser quelque chose? Ou est-ce que c'est dans ma tête? Voilà, il y avait tellement de choses qui me traversaient l'esprit. Bien sûr, c'est normal. Et finalement, je connais donc la voisine du bas, du rez-de-chaussée. C'est une étrangère également, je crois que c'est une roumaine cette dame, donc elle parle pas très bien français. Mais je décide quand même de prendre mon courage à deux mains et d'aller la voir et lui demander si elle connaissait en fait les personnes qui habitaient dans mon appartement. Et bon, elle était assez particulière cette dame aussi. Ouais. Elle m'a dit des choses un peu spécifiques, je lui ai posé la question si elle savait donc qui habitait avant moi. Et sur le moment, elle voulait pas s'en mêler. J'ai senti qu'elle voulait pas s'en mêler et qu'elle me disait ah vous croire Dieu. Elle me disait ça d'abord, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vrai. Vous croire Dieu. Alors j'ai dit oui, je suis un peu croyante, mais bon voilà. Donc j'ai dit oui un petit peu. Et là elle me répond vous croire. Elle me dit comme ça. Oui. Vous croire. Mmh. Je dis d'accord. À ce moment, je comprenais pas. Elle me disait en tout cas, on sentait que c'était important que je devais me rapprocher de quelque chose de biblique ou de divin en fait, hein. On sentait qu'elle voulait que je me rapproche de ça. Alors je cherche encore parce que je vois qu'elle répond pas à ma question, hein. Je cherche encore un petit peu après elle parce que je vois qu'elle ouvre la porte, elle passe devant moi, elle fait sa vie, elle cherche ses journaux. Je me dis bon, elle veut pas m'en parler, qu'est-ce qui se passe? Ou alors est-ce qu'elle m'avait pas compris vu que c'était une roumaine et qu'elle parlait pas bien français? Peut-être, donc j'ai recommencé, j'ai relancé le sujet un petit peu. Mais du coup, vous connaissez la dame qui habitait avant? Enfin bon, je dis la dame mais je savais pas si c'était une dame ou pas, hein. Et puis du coup elle me dit oui, et là elle me dit effectivement que c'était une femme croyante en fait, hein, une musulmane qui habitait donc effectivement dans mon appartement. Alors, effectivement je savais pas bien avant, donc son nom m'a vraiment choquée. Ça confirme vachement, genre tu peux plus te dire oui c'était un rêve. Oui. Là ça confirme ça déjà. Ça confirme qu'il y avait quelqu'un qui effectivement était croyante et qui était dans cet appartement. Mais c'est vrai que sur le moment j'ai pas fait le lien, pourquoi est-ce qu'elle me parlait de Dieu? Pourquoi est-ce qu'elle me parlait de cette croyance? Alors je me suis posé la question parce qu'elle a pas voulu m'en dire plus malheureusement, mais ça m'a quand même donné la confirmation qu'effectivement il y avait bien une femme voilée qui vivait dans mon appartement avant mon arrivée. Après bon, j'ai eu d'autres infos sur une autre personne, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais du coup c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que ça concordait avec ma vision des choses. Et le fait qu'elle me parle de Dieu, de fait de croire en fait en Dieu, je me suis demandé est-ce que cette dame-là ne voyait pas aussi des choses dans mon appartement.
tu vois. Donc j'essaie de faire le lien un petit peu avec ce qu'elle me disait, mais ouais. Malheureusement cette dame n'est pas rentrée dans le sujet, j'ai pas voulu trop la questionner parce que j'ai vu qu'après elle m'a dit vous croire Dieu et puis machin, elle a fermé la porte, elle est partie quoi. C'était vraiment, voilà, c'était important pour elle en tout cas de me dire ça. Et bah après, bon bah forcément, moi je reste là avec toutes ces réponses. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ? Bon, en tout cas, ça a confirmé. Puis après, je suis allée voir mon copain en lui disant, bah finalement, la personne que j'ai vue, c'était vraiment la personne qui vivait dans mon appartement, quoi. Et ça, ça m'a vraiment fait un choc, entre guillemets. Ouais. Bah oui. Parce oui. que je m'attendais pas à ce que ça soit si réel, finalement. Ouais. Tu vois, c'était vraiment... De toute façon, moi, jamais je me suis réveillée d'un rêve et j'ai continué à avoir la vision de mon rêve une fois les yeux ouverts. Non, moi non dans plus. Tous les cas, pour moi, c'est clair, effectivement, ouais. que tu l'as vu. Ouais. Bien sûr. Ça m'a confirmé, en fait, clairement. C'est dur hein, d'avoir une vision inattendue quand t'as pas fait de demande de contact, quand tu t'attends pas, quand t'es pas préparé psychologiquement. Bah, c'est ça, tu te réveilles le matin. T'es là, ouais, c'est ça. Dans cette optique, déjà, non. Donc, ouais. C'est dur, ça, c'est effrayant, quoi. Ouais. Bah, pour moi, ça a été effrayant parce que c'est la première fois, mais du coup, c'est vrai qu'après cette vision et après cette confirmation de ma voisine, c'est là que ça m'a donné encore plus envie finalement de travailler en fait ces ressentis. Parce que je me dis, en fait, ces ressentis sont vrais. Ouais. Elles sont pas là juste dans ma tête comme quelqu'un qui a un problème psychologique, tu vois. Finalement, il y a des choses concrètes derrière. Et c'est ça que j'ai apprécié. Par contre, je n'ai pas revu d'autres esprits par la suite. J'ai pas reçu d'autres visions, on va dire, mis ouais. à part dans mes rêves. Je suis plus quelqu'un qui travaille dans les rêves. Ouais. Mais c'est vrai que debout comme ça devant vous, j'ai rarement des visions. C'est tellement rare. C'est pas quelque chose que j'ai en général. Bien sûr. Donc pour moi, c'était nouveau. Alors, mis à part les ressentis et l'entente, voilà, pour moi, c'était vraiment impressionnant de voir. En fait. Complètement. Je crois que j'aurais été quand même assez terrifiée. Bah quand oui. tu t'y attends pas, tu te dis. Tu t'y attends pas, c'est ça. Et c'est rare d'avoir une entité qui a auparavant été humaine, qui a autant de possibilités de se montrer comme ça. Bah, je me suis toujours posé la question, pourquoi finalement ouais. est-ce qu'elle s'est montrée à moi ? Alors c'est vrai qu'après, quand je suis allée la voir, la voisine, qu'elle me confirme qu'il y avait bien une dame voilée qui habitait dans mon appartement, je me suis tout de suite demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est montrée à moi ? Qu'est-ce qu'elle a voulu me montrer ? Et après, tu sais, j'ai réfléchi à tout ce qui se passait oui. dans mon appartement des fois. Oui. Toutes les petites choses qui ont bougé. Je me suis demandé si c'était pas tout simplement cette petite dame qui était encore là. Mm. Tu vois ? Donc, tu voilà. l'as pas contactée ? Non, j'ai jamais essayé de la contacter. Bah, en fait, c'est une dame qui est jamais revenue vers moi. Ok, ouais. Elle est jamais revenue vers moi, mis à part cette vision. Elle est jamais revenue vers moi. Et je n'ai jamais senti ce besoin de l'appeler. Ah, pour ouais, moi, c'était d'accord. plus une impression qu'en fait, elle était encore dans les lieux. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est partie, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, je sentais qu'elle était attachée à ces lieux. Alors, je me suis demandé si elle n'avait pas fini sa vie. Peut-être pas dans l'appartement même, mais peut-être que c'était son dernier lieu de vie. Et elle te regardait, elle te fixait. Oui. Hein, quand... En fait, finalement, je sortais des toilettes quand ça arrivait. Et elle était là face à moi, comme si elle me regardait, ni méchamment, ni gentiment. Hein. Un regard neutre, un visage ouais. neutre. Et puis, bon, c'est ouais, 2 secondes, quoi. Hein. C'était rapide, hein. Ouais. Ça n'a pas duré, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai... C'était comme ça, quoi. T'as eu le temps de cligner des yeux et c'était plus là, quoi. Ouais. Tu vois ? Eh ben, je sais pas si voilà. vous imaginez un peu la situation, hein. Vraiment, ça peut être vachement intimidant. Mais après, ça, effectivement, c'est quand tu fais souvent des contacts et tout, c'est quelque chose que... Plus tu fais des contacts, ouais. plus tu es ouverte à ça. Exactement. Plus tu développes, travailles. Plus tu travailles, tes capacités, tes sensations. Peut-être que plus tard, tu en verras même plus souvent. C'est possible. Visuellement, c'est possible. Des c'est personnes. Vrai que, bizarrement, bon, ça s'est arrivé quand même en début d'année. Et depuis le début d'année, c'est vrai que j'ai pas encore. Eu d'autres visions à ce niveau-là. Peut-être que tu bloques le fait que, vu comme ça, t'as effrayé, peut-être ouais, que tu bloques le fait que t'es pas encore, pas... t'as pas encore envie de les voir. Je pense qu'à mon avis, il y a un blocage au niveau de la vie, ouais. Je c'est pense. Sûr. Ouais. Parce que ça, quand tu m'as raconté ça, on en a parlé, mais ouais. on s'est envoyé plein de vocaux, elle m'a envoyé tout ah, plein de bah vocaux, oui. elle a décrit toute la situation, bah et ouais, je me souviens vraiment. Que c'était un moment vachement effrayant, et peut-être que un jour, tu vas, ouais, ça se trouve, tu vas te dire, c'est je possible. Suis prête, tu vas l'indiquer à toi-même, comme ce qui t'entoure, et peut-être que ça arrivera, quoi. Je pense, ouais. Je pense que ça peut arriver, effectivement. Si ça t'est arrivé une fois, c'est que ça peut te réarriver. Exactement, ouais. Enfin, voilà. Enfin voilà, effectivement, on parle beaucoup ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit trait d'horreur. Nous, effectivement, on n'aime pas juste lire les histoires. C'est un moment de partage qu'on vit avec vous. On a envie d'être proche de vous. Et donc forcément, on vous partage nos impressions, ouais. nos ressentis et toujours un petit peu nos petites histoires aussi. C'est ça.
Et puis bien sûr, hein, comme vous le savez, encore une fois, nous on vous retrouve tous les vendredis à 18h30 et des fois, quand on le peut également, le mercredi. Hein. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, je pense qu'on va les laisser là-dessus. Bah oui, et voilà. Comme d'habitude, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de sonner la cloche pour ne rien louper. Ouais, c'est ça, encore une fois, on vous invite toujours à soutenir la chaîne, c'est hyper important pour nous. Et puis on vous dit bien sûr à vendredi prochain. Gros bisous. Bye.